Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Assassin's Creed Origins et on va rencontrer aujourd'hui Cléopâtre et on est assez contents, c'est parti. Grosse soirée. Oh oui, grosse soirée. Elle n'est pas avec des abeilles. Cléopâtre. Je coucherai avec qui veut. Dès lors qu'il ou elle accepte d'être exécuté à l'aube. Comme Xantides. Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement. Qui est ce délicieux guerrier? Ma reine, voici. Alors? C'est une offre généreuse. Mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme. Aya, tu as bien choisi. Venez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Amusez-vous, mes amis. Amusez-vous. Je l'ai dit à genoux. Oh non, mais t'as pas compris, parce que j'ai un problème à la rotule et je suis pas même... Hein? Ah, Bachérepta. Voici Aya et Bayek. Ce sont eux qui ont éliminé Eudoros. Magnifique. Vous joignez à notre cause. Nous ne savons pas quelle est ta cause. Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arraché à mon trône. Et pourquoi je devrais m'en soucier? Le serpent a de nombreuses têtes. Et ces têtes dirigent l'Ordre. Le serpent est l'homme qui a tué mon fils. Ce n'est pas aussi simple. De quoi est-ce qu'il parle? Je ne sais pas. Ils doivent savoir quelque chose. L'Ordre des Anciens veut contrôler l'Égypte. Ptolémée est sa marionnette. Nous avons des informateurs dans chaque région. Mais ils sont incapables d'atteindre l'Ordre. Dans toute l'Égypte, des forces mystérieuses agissent contre nous. Par exemple, ici, dans le Delta. Les sables engloutissent des villages entiers. Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette force est un membre de l'Ordre des Anciens, appelé le Scarabée. Et par ici, sur le site sacré de Gizeh? Un personnage surnommé la Hyène étend son ombre sur les terres. Ce qui est sûr, c'est que Gizeh est marqué par la mort. Et la ruine. Et puis il y a Memphis. Mon territoire est frappé par une malédiction. Même Apis, le taureau sacré, est affecté. Celui que l'on appelle le lézard a répandu une sorte de... pouvoir démoniaque. C'est beaucoup de magie, tout Alors ça. Le serpent est l'ordre des anciens. Oui. Eudoros était surnommé l'hippopotame. Tu avais raison, mon amour. Eudoros n'était pas le dernier. Ce sont eux. Quand l'ordre veut quelque chose... comme à Siwa, il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage. D'abord Siwa, maintenant le Fayoum. C'est la région la plus opprimée de toute l'Égypte. Où le crocodile exerce son emprise. Les habitants vivent dans le chaos et la peur. C'est le sort qui attend toute l'Égypte. Si on ne parvient pas à arrêter l'ordre. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'assassiner. Nous n'avons toujours pas trouvé l'homme qui a tué Kemu. L'ombre de notre fils pleurera de joie lorsque nous prendrons leur vie. Je fais de toi mon Medjay. Protecteur du seul et unique pharaon d'Égypte. C'est pas très beau, t'en as pas en or. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, buvons. Mangeons. Faisons l'amour. Je t'aime.
Prends-toi un peu sur un temps un peu... Bon. Que de nouvelles. On a une nouvelle liste d'ennemis. 3 si je ne m'abuse. Ok. Menu des cibles mis à jour. Alors. Ah mais il est en or. Il est en or, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, je prends. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les cibles qui se sont ajoutées... Ici, ouais, c'est ça. Oh, tu vois que là, comment c'est fait, il va y avoir des rangées supplémentaires. C'est ça qu'on aime. On a le lézard, le croco, la hyène et le scarabée. C'est tant bien parce que nous, on en avait... Du coup, le serpent, c'était l'hippopotame, en fait. C'était pas le serpent, quoi. Nous, on avait tué quoi, je crois? On a tué le vautour, je crois. Je sais plus, on en a tué pas beaucoup, non. Bon, c'est pas grave. On va se faire les 4. On va se rattraper. Du coup, quête principale, ben, y en a 4. Hein. Ouais, ça semble assez logique, hein. Ah ben voilà, il y a du niveau 25, franchement si on les rush, il y a moyen de rattraper un petit peu le stade où on est. Ben, si on les rush, si on les fait à la suite. 15, 20, 21, 25, crocodile en dernier. Et on va commencer par le scarabée. Attends, je veux juste voir où est-ce qu'il se cache, lui, fais voir sur la map. Alors, si c'est des zones que j'ai découvertes ou pas. Ouais voilà, pas du tout. Ok, donc il est dans une 24-29. Ok. Bon, de toute façon, les autres, je pense que j'ai découvert les zones déjà. On va regarder pour le premier, qui est donc la hyène. Non, 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 c'est pas la hyène, il y a un truc à 15. Il y a un truc à 15. Ouais, le scarabée. Lui, il est pas loin, lui. Juste là, bon. Voilà, c'est juste à côté, ça c'est parfait. Niveau équipement, on a une nouvelle tenue. Ah ouais, c'est le truc en... T'as vu, j'ai la tenue d'Altaïr. Tenue des Ezio. Et ça c'est costume, mais on l'avait gagné ensemble, il me semble. Et tenue de Hapoil, ok. Non, peut-être pas tout de suite, peut-être pas tout de suite. On va rester sur celle-là que j'avais achetée, il faudrait que j'en trouve une... légendaire, mais qui n'est pas Altaïr Ezio. J'aime pas bien porter ce genre de tenue parce que pour moi ça correspond pas du tout au scénario. Donc on fait un peu du. Un peu de l'anachronisme. Un truc comme ça. Ok, donc on a pas mal de trucs à vendre. Alors je vends, pourquoi? Je pète plus, bah, déjà parce que j'ai plus trop besoin de ressources, mais surtout parce que j'ai besoin de thunes pour acheter. J'en ai acheté plein déjà, hein, mais pour continuer à acheter les graphites. Même si on en trouve pas mal pendant l'exploration, je les achète, moi ça coûte 3000. Et au moins ça me permet de monter un petit peu plus vite mon équipement sur moi. Bon bah allez, on va se TP. Quête, c'est bon, les sélectionner. Tout est ok, carte. Allez, on est parti, on va se TP ici. Let's go! Allez, on est parti, on va chercher le scarabée qui est par là-bas. On va appeler notre jolie petite monture. Quelle est belle, quelle est belle. Et c'est pas loin, hein. Pardon. Pardon, pardon. C'est par ici, voilà, par ici ça passe. Oh bien, le cheval, c'est très bien ça. Ok, donc c'est un gars à rencontrer, c'est pas... On est là, si. Je cherche Arkouf, le maître brasseur. Je suis occupé. Va plutôt voir un de mes contremaîtres. D'accord, on va faire ça. Je suis un Medjay. C'est Apollodorus qui m'envoie. Apollodorus, bien sûr. Je viens m'occuper du scarabée, l'ombre qui plane sur Saïs. Chut, s'il te plaît, il ne faut pas prononcer ce nom. D'accord. Apollodorus sait que la population souffre. Avec mon métier, beaucoup de gens viennent se confier à moi. Le commerce va mal, les soldats se croient tout permis. C'est quoi ton métier? Et les collecteurs d'impôts de Ptolémée nous prennent à la gorge. Viens avec moi. Nous converserons plus tranquillement à l'intérieur. D'accord, on fait comme ça. C'est bien
J'ai toujours pas compris ton métier, hein. C'est quoi, tu fais de l'eau en fait? J'ai pas compris. Voilà. De terribles histoires courent au sujet du scarabée. Eh oui. Je suis sûr qu'Apollodorus t'en a parlé. Vite fait. De mutilation, de disparition, de gens enterrés dans le désert mourant à petit feu. Oh. Une fin horrible. Piégé dans le sable scintillant, le corps et l'âme brûlés par les rayons du soleil, à attendre la libération et la douate. Mais ce ne sont que des histoires. Oh, bien la cachette. Il y a des gens vraiment nuisibles à Saïs. Mais le scarabée, s'il existe, mieux vaut pour tout le monde ne pas parler de lui. Ça roule. Ça sent la babiole, ça. Laisse-moi passer. Dans ton petit creux. Ah non, c'est juste des flèches. Oh, la tristesse. Les enquêtes des agents de Harkouf. Les inquiétudes des habitants. Saïs n'est pas différent de Siwa. Ok. Corps dans le sable. C'est tout, t'as une petite cachette. Ah, c'est une mission secondaire, ça. Ou pas. Quête annexe. Ah ouais, putain, toute une petite série de quête annexe. J'aime beaucoup ta cache, finalement. C'est très très bien. Bon, allez, on se tire. Est-ce que ça va pas me fumer les quêtes annexes si je bute le gars? Je vais voir. C'était fou, c'est le capitaine du port, selon les rumeurs des marchands qui traînent. Jusqu'à... Non, ça a pas l'air d'empiéter. Ok, parfait. Allez, on va buter l'autre con. Le dernier homme à avoir posé des questions sur le scarabée a été laissé pour mort. La langue arrachée. Qui était-ce? Le vieux Poupa, le beau-père de l'homme le plus puissant de la région, Dark. Ce garçon, Kawab, est son petit-fils. Ok. Mais si on arrive à se mettre le mec le plus puissant de la région dans la poche... Fatigué de gagner? Je cherche ton grand-père. Tu sais où il est? Non. Il est parti tôt en direction du camp Pyros. Il doit déjà être rentré. Vais voir si je le trouve sur la route. Trop sympa. Ok. À 300 mètres. Cheval. Bien. C'est vrai que je prends pas les chameaux, moi. J'ai aucun chameau, d'ailleurs, je crois. Enfin... Attends. C'est vrai que pour changer un peu... Quoique, vous avez pas trop eu le cheval, en réalité. Hein. Moi, j'ai beaucoup joué avec le cheval, mais... Ouais, j'ai deux chameaux. Ouais, on va rester au cheval. Hein. On verra si on a un chameau épique. On prendra peut-être. Allez, let's go. Suivi non disponible. Mais qu'est-ce qu'il me fait, là, avec le suivi? Un problème, mon gars. Oh putain, ce camp, j'y suis allé déjà au moins 15 fois. Je farmais les pots ici. Attends, je regarde. Ouais, c'est ça. Il y a 3 pots. Je connais par cœur. C'est l'animal qu'il faut libérer. Ah non, il est enfermé dans la cage, c'est pas l'animal. Il est derrière l'animal. Ok, on va foutre le bordel en libérant les tigres. Allez. On va... Par où je vais monter? Parce que en général, je vous cache pas, hein. Je fonce dans le tas, je dégomme tout le monde. Ils sont bas niveau encore ici. Hein. Mais là, quand on montera un petit peu plus en niveau, ça deviendra un peu plus épique. Alors, bah vas-y. Non, ça va foutre le feu si je fais ça. Oh mon dieu! Le lion libéré! Le deuxième...
Il y en a un là aussi. Hop. Non, là c'était la hyène. Le lion il est là-bas au fond. Voilà, tous les lions sont sortis de leur cage. Oh, eux je les sens bien là. Eux je vais me les faire vite fait, bien fait. Bah allez défendre vos collègues. Eh ouais mon gars. T'as rien vu petit. Bam. Allez salut. C'est qui m'a vu? C'est un lion qui m'a vu, je suis sûr. Oh merde, il va. Non. Oh putain, c'était limite. Bien joué. Le feu, mon, bat les couilles. Salut les gars. Attendez, venez avec moi, je vais essayer de vous faire brûler. Ouais, attends, je vais leur entamer un peu la vie. S'il y a un trophée pour ça aussi, il faut le faire 30 fois, c'est un peu... Ah voilà, parfait. Toi, t'es parfait, là. Viens par là, petit, viens. Boum. Merde, je brûle. Ah, si, il a appelé les renforts, PD. Oh, pardon. Ah, mon dieu. Allez, viens te battre, petit. Oh oui. Voilà de la fourrure, on en avait pas besoin, mais c'est pas grave, ça fait plaisir quand même. Allez, viens. Ok, reste là. Lâche-le. Ah non, c'est bon, ça passe. Ok, ça passe pas. Courons. Descends, gros. Ah, je peux pas parce que j'ai le corps. Voilà. Ah, ok, bon, attends. On a pas le choix, mon gars. Reste là 2 secondes. Voilà, c'est la guerre. Raté. C'est les archers. Ah, mais d'accord. C'est les archers qui me cassent les couilles. Vas-y, ils sont. Hop là, bim. Un de moi. Ça, c'était super bien tiré. Ça. Allez, toi, tu m'as gonflé. C'est pas le bon arc. Ah, mais c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, ça va mieux. Ok. Une hyène, carrément. Ok, d'accord. Koopa, je vais te sortir de là. Ouais. C'était le bordel, hein. Allez, viens. Je crois que tu vivras. Attends, parce que là, on n'est pas arrivé. Non. Mais non. Tu sais que le scarabée t'a pris ta langue. Et on peut s'entraider. Ah, c'est pour ça qu'il fait... Arthouf m'a dit que tu enquêtais sur le scarabée. Aide-moi. Et je te promets qu'il mourra. Voilà. C'est parti. Voilà, on est bien là. La grande classe. C'est beau, hein. C'est très très beau. Aventurier, homme d'action, vagabond, ne cherchez plus... Je viens de l'apprendre. Voilà, il est chez lui. J'espère qu'il sait écrire vu qu'il ne veut plus parler. Grand-père,
va bien? Il est blessé. Secoué, ah oui, blessé. Battu et mort de soif. Les soldats n'ont pas été tendres avec lui, mais il vivra. Où est ton père, Kawam? Il faut que je lui parle. Père n'est pas là. Il travaille à son œuvre. Mère! Grand-père est blessé! Les soldats l'ont encore pris pour un mendiant. Père! Mais qu'as-tu fait cette fois? Il cherchait le scarabée. J'espère qu'il pourra m'aider. En échange, je protégerai ta famille. Le scarabée n'existe pas. Tout le monde le sait. Il veut que tu les lises. Les prémices des zombies, ça. Apparemment, le scarabée a demandé à des guerriers d'aller à l'Étopolis. Par les dieux, mon mari est là-bas. La ville engloutie par le désert. Le destin de mon père est de la rebâtir. Nous allons bientôt le rejoindre, n'est-ce pas, mère? Oui. Mon mari Taharqa y trime depuis des mois. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Il connaît tout le monde là-bas. Si tu y vas, dis-lui que j'ai hâte de le revoir. Je lui dirai, Kawab. Hop, poubelle. Il va bien. C'est où le délire là du coup? Lettre du scarabée, objet de quête. Les mensonges du scarabée. 2000 mètres. Ça, ça veut dire TP. Ouais, bah allez, c'est parti. On va aller voir le mec. Un petit peu long toujours les chargements, mais ça va mieux. À vrai dire, je suis pas en PS4 Pro moi, donc ça se trouve c'est moins long hein, pour ceux qui l'ont. Mais moi je trouve ça encore un petit peu long. Cela dit, beaucoup moins que The Witcher. The Witcher, il me semble que c'était chargé en chargement. Ok, donc nous voilà dans la petite cité en question. On va voir si on peut trouver le gars tout de suite ou s'il va falloir aller l'aider. Salut! Maître Taharqa. Mon nom est Baïe. Je m'attendais pas un gars comme ça. Je suis bien Taharqa, grand architecte de Saïs et régisseur de l'Étopolis. J'ai vu ta famille. C'est ta femme qui m'envoie. Elle dit que tu sais peut-être des choses sur le scarabée. Ce n'est pas le lieu pour en parler. Je n'ai pas envie que quelqu'un nous entende. Viens à l'intérieur et je te répondrai. Ok. Ton fils est très fier de ton travail. Tu lui manques. Il sera bientôt là. C'est mon rêve de voir mon fils et ses descendants marcher sur mes traces. Les rêves des grands hommes bâtissent le monde. De quoi rêves-tu, Bayek? De vengeance. Je n'ai pas le loisir de rêver. Je cherche le scarabée. Le scarabée s'en prend aux faibles. Il ne me menace pas. Tu n'as pas peur du scarabée, Taharqa? Pourtant, après ce qu'il a fait au père de ta femme... Le sort du pauvre Goupa m'attriste. Quelle que soit l'œuvre de ma vie, quelle que soit ma responsabilité, je prie les dieux pour leur pardon. Maître Taharqa! Ils attaquent de nouveau les rubis. Le vin! Je savais bien que ça allait partir en baston. Viens te battre avec moi. Allez. Et architecte et accessoirement guerrier. Ce bruit insistant est la voix de la tempête. Ces chiens du désert font de la tempête leur cri de ralliement. Ces pillards se servent de la tempête de sable pour masquer leur raid. Reste près de moi! Ne te laisse pas contourner par ces chiens! Ok! Je ne vous laisserai pas détruire mon œuvre! Arrêtez!
Allez, crève, crève, crève. Ce n'est qu'une canette. Ils sortent de la tempête. Je leur ai mis au branlé. Ces pillards chevauchent la tempête. Attends, j'arrive, j'arrive, tiens bon. Voilà, tranquille. Tranquille, tranquille. Oh là-bas, là-bas, ça veut dire baston, ça aussi. Oh, putain, il y a du monde. Allez, baston. Baston. T'as pris, toi tu prends aussi, voilà. Pardon. Allez. T'es où, frère? Hein? Oh là-bas, c'est de la baston, ça aussi. J'arrive, j'arrive, t'inquiète. On va vous affronter l'Égypte entière. Ah, carrément. Allez, Medjay, bats-toi à mes côtés. Bah là, ouais, je veux bien, mais... Qu'est-ce qu'il faut les traquer. Ah, voilà, t'es content à attendre comme un con, là. Il m'a trollé. Eh oui, mon gars. Trop de skill. Reste pas la femme. Reste pas là, je t'ai dit femme. Oh putain. T'as pris trop cher. T'as un plein milieu aussi, là. Hein? Il est mort? Debout, gros. Il s'est bugué? Debout, gros. Ah, c'est que ça se bastonne encore. Ouah, c'était pas loin qu'il la prenne dans la nuque, lui. Qu'est-ce que tu... Ah, mais c'était peut-être pas là qu'il fallait se battre. Il part sans moi, là. On est d'accord. Il m'attend même plus, quoi. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Guerrier de l'Étopolis, levez-vous. Merde, j'aurais pu l'assassiner. Ah, pas lui. On voit rien avec la tempête, hein. Vous m'en voulez pas si je tape un peu dans le tas. Oh putain, je peux l'assassiner aussi. Merde. Voilà. Bon, faut que t'arrêtes de faire de la merde, toi. Quoi, c'est qu'il manque encore un gars à tuer? Ah, ça y est, tu décides de bouger. Mais bah, faut pas être pressé avec toi, hein. La tempête. J'ai pris une flèche là ou quoi? Ouais, je fais quoi à ton avis là? Attends, attends, j'aime pas du tout ça. Cette caméra là. Attends. Voilà, c'est mieux. Mais c'est l'autre PD là. Lui, il faut que je le nique en prio là. Il va casser les pieds. Allez, voilà, ta gueule. Ils ont de la vie, hein. Ouais, les pelles, mais des saignements et tout, franchement, elle est terrible, cette épée. C'est de la dinguerie. Ah, bah, il est par terre, là, encore, tiens. Ça va, papy, on bouffe le sable? Faut arrêter, hein. Allez, debout.
Bayek, tu les as taillés en pièces comme les crocs de ce mec. Eh oui. Bayek, viens avec nous. Je veux en finir avec ces chiens du désert. Grâce à toi, nous allons mettre un terme à leur règne de terreur. Je comprends ta soif de sang, Tarka. Mais ces pillards ne m'intéressent pas. Je veux que tu me parles du scarabée. N'est-ce pas un insigne de Medjay que tu portes? Ces bandits représentent une terrible menace pour le bon peuple de l'Étopolis. Chevauche avec moi, Bayek. Et lorsque nous aurons renvoyé ces chiens dans le désert qu'ils aiment tant, alors je te dirai tout ce que tu veux savoir. Marché conclu. Aujourd'hui, je combattrai à tes côtés. Et le jour se lève. J'espère que c'est pas trop loin. Parce que là, on n'a pas de cheval. Oh, ça c'est mon armée, ça. Prends tes armes et joins-toi à nous. Allez. Loyaux serviteurs de l'Étopolis, nous allons débusquer ces pillards et arroser le sable de leur sang. Voilà, on va faire comme ça. Oh, tous les chevaux. Attends, moi je veux le mien. Je prends pas un des vôtres pourris. On verra comme il est beau. Allez les gars. Premier ennemi là, ça c'est des ennemis, faut les buter hein. Cette tâche que tu t'es imposée, ça semble impossible. Seuls les dieux savent ce qui est impossible. Et si je ne cherche pas à décrocher les étoiles, comme... Ah merde, j'ai niqué les dialogues. Je voulais faire un beau plan là, regarde ça, oh, petite armée et tout, c'est la classe. L'Étopolis était une merveille, avant que le désert ne l'avale. Je veux montrer au monde, aux dieux, que les hommes peuvent tout accomplir s'ils y mettent leur âme. Peut-être as-tu été envoyé par les dieux pour m'aider à accomplir mon rêve. Tu es fort, tu as l'œil vif. Nous pourrions rendre sa gloire à cette région. J'ai ma propre tâche à accomplir. On va voir, Inch'Allah. On verra si j'arrive à te convaincre. Un petit cabre, allez. Voilà. Oh les, du calme. Tout le monde me suit ou c'est moi qui dois suivre? Ok, c'est moi qui suis. Oh, il a disparu. Ils sont où? Il y en a un qui est bugué là-haut là. Ah, ils sont là, regarde. Vas-y gros, c'est moi qui y vais. Bon mais j'y vais hein. Parce que toi je sais pas bouger. Allez tous avec moi les gars. Tu sais qu'on a cap. Mais ça c'est parce que les autres ils font trop de bruit ça. Parce que moi je me fais pas repérer là. M'aidez pas sur toi, mon le bâtard. C'est ça que je dois attaquer au moins ou pas? Fallait peut-être pas rentrer par là. Meurs de saignement, il est où le dernier? On dirait que des brigands ont fait leur nid là-haut. Il y avait un, ouais, j'ai déjà fouillé cette zone. Moi. Attends, je vais t'aider. Bouge pas. Flèche télécommandée. Oh, le fail. Deuxième. Hop là. Trop classe. Là-bas, il y en a un autre. Je vais l'avoir là. Non, je vais me rapprocher. Ok, allez. Oh, il l'a buté. Tant pis, je lui mets quand même. Attends-moi. Voilà, je me fais mal aux chevilles et tout à cause de tes conneries, là.
Putain, mais j'y étais déjà. T'es qui là? Je te remercie, Bayek. Avant que tu arrives, je croyais mon rêve condamné à mourir. Tu m'as donné la force de traquer et de tuer ces pillards. De rien, t'inquiète. Des adorateurs de Sekhmet, la dame du massacre. Seul le chaos les intéresse. Sont-ils proches du scarabée? Non, ils se prennent pour des lions, mais ce ne sont que des charognards. Et maintenant, les voilà devenus charognes. Je vais ramener ce prêtre en ville. Retrouve-moi chez moi. Nous dînerons. Et je te dirai ce que tu veux savoir. Ok. Maître Tarka, que Ptah vous bénisse, ainsi que le protecteur. Calmez-vous. Moi, j'ai la flemme de galoper jusque là-bas. Hop. Ok. Bon, le chargement devrait pas être très long. Quand même. C'est parti, on va boire un coup et tu vas me dire où est-ce qu'il se cache, le fourbe. Je pense qu'il doit se cacher dans un camp. Ça va être un peu comme ça pour tous les ennemis. Je pense qu'ils vont être dans des camps et on va les attaquer. Bayek, tu as vu la tempête de sable? Ouais, j'ai vu, ouais. Entre, père a dit que tu viendrais pour le... Il est déjà là, lui? Eh ben... Ravi que tu aies fait bon voyage, Maharet. Oui, les dieux ont béni notre périple. On a vu des vautours, et une hyène, et tout ce sable. Assez de sable pour remplir une vie. Voilà pourquoi il nous faut tant d'hommes, pour accomplir notre tâche. Et que promets-tu à ces hommes, Tarka? Une parcelle de terre et une maison à leur nom, à condition qu'ils les reprennent au désert. C'est tout? Ils doivent déterrer leur maison. Ce n'est pas une tâche si facile. Nous devons tous œuvrer pour honorer les dieux. Les gens savent que mon père dit vrai. Il est fan, le petit. Tu as bien raison de l'honorer, Kawab. Au sauveur de l'Étopolis. Partageons ces quelques dattes au miel. Et... Tout va bien, Bayek? Ah non, mais l'alcool, c'est pas bon, ça. Il t'a empoisonné. Tu es souffrant? C'est lui, le scarapé? Oh, le bâtard! Pas mal, pas mal, je m'y attendais pas du tout. Ça va me faire d'autant plus chier de te niquer ta tête, de couper la tête. Il m'a enterré. Oh, le bâtard. Que les dieux te maudissent, Stark. Jusqu'à ton dernier jour. Ah, ça va, il va sortir. Utilise la force! Putain, ça va être horrible. Ah, l'horreur. Qu'est-ce que tu fais? Aya. Où es-tu, mon amour? Kemu. Je n'ai pas su. Ne m'en veux pas. Ah, dur. Très bientôt les ténèbres avec le cachet. Non. En chemin vers les champs de roseaux. Car ça peut cher. L'aigle ne prendra
jamais le serpent dans ses serres. Hein ? On commence à avoir des alus. Ils ont tué l'Égypte. Est-ce que tu comprends ? D'accord. On a une belle vue sur la pyramide. Tu crois que ton chemin est déjà tracé ? Encore. Encore. L'aigle ne prendra jamais le serpent dans ses selles. Ok, donc j'ai certainement un truc à faire. Hein. J'attends comme un con depuis tout à l'heure, mais attends, on va voir. Non, vas-y, j'appuie sur toutes les touches, machin. Apporte-moi les têtes de l'ordre. Ah mais oui, mais je suis con. Je sais pas si je pouvais le faire avant. Mais... C'est bien. Mon cheval. Oh, il a déjà une corde et tout. La grande classe. Oh, c'est l'aigle qui va l'apporter. Bien joué, ça! Que les dieux te protègent! Tu fais gaffe, il y a un scorpion quand même sous la main. Voilà. Il est mort? Ok. Sans armes, ni armure, ni argent. Par où commencer? Vite, avant que le vent n'ait effacé les traces. On va se vénère, là, hein? Là, ça m'a pas plu, hein. Putain, en plus, le fils, il était sympa et tout. Ah, tristesse. D'abord, les armes. Ensuite, le scarabée. Putain, il nous a bien roulé, ce bâtard. Tiens donc, dans un camp, comme prévu. Ça, c'est mes armes. Moi, j'ai toujours ma lame secrète. Ça, c'est pas bon pour vous, les gars, je vous le dis. Ouais, ce sont des armes superbes. J'ai tout mis dans une caisse. Ça paiera notre tribu à cette époque. Eh non, j'ai tout récup. Bye, couille. Ils auraient dû rester dans l'ombre. Voilà, équipement récupéré. Maintenant, on va planter. Du scarabée, il est ici. Hein. Ah non, il est chez lui. Oh merde, on va démerder vous les gars. Je sais pas que ça va faire par contre. Allez, let's go. On va se venger. On va se venger. C'est atroce ce qu'il fait aux gens quand même, les enterrer comme ça dans le sable. Oh là là, l'horreur. On peut pas juste les tuer, tu sais. On arrive. On va te buter. La question est, est-ce que je bute les l'enfant, la famille, ou juste le père? Parce qu'après, le fils, il va vouloir se venger. Pardon, je savais pas que c'était une zone restreinte. Regarde, je m'en vais, regarde. Ah, pas de problème.
Du coup, alors, ouais, il va être sécurisé ce con. Alors. Il y avait une échelle à côté, quoi. Putain, j'avais pas vu. Merde, mais ils sont 15 en haut. Faut pas que je le laisse partir. Faut pas que je le laisse partir. Allez, allez, go, go, go. Ah, salut. T'as les gros, ils sont relous. Allez, viens maintenant. Tu flippes, hein. Tu flippes, hein, regarde comme il flippe. Il veut alerter. Non, 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 par contre, non. Voilà, non. Ok, bon, vas-y si tu veux. Eh hey, non, c'était une feinte. Bon, par contre, ça va plus. On va piéger ça. Comme ça, s'ils veulent sonner l'alerte, ils seront baisés. Baisés. Du coup, c'était pas bon le plan de monter. Je m'attendais vraiment pas s'il y a des gens en haut. Mais bon. Oh, tu vas mourir, toi. Tu vas mourir. Il est en train de prier. Ils sont sérieux? Putain, il va sonner l'alarme lui aussi là. C'est celle d'en haut? Non, c'est une autre en plus, comme par hasard. Non, c'est celle du haut. Putain, j'aurais dû le laisser. C'est pas grave. Du coup, je vais le laisser. Et ouais, j'ai disparu les gars. Ça y est, il a explosé là, je crois. Il m'a vu? Impossible. Ça marche pas de se cacher avec lui, c'est ça? J'attends, hein, mais il me tire dessus, là, on est d'accord. Ah, il se tire dessus aussi. Ok. Comment on la joue? Allez, venez vous battre, les PD. Oh là, ils sont 15 quand même. Je suis là. Faut d'archer, tu l'archer aussi. Mais lui, c'est un bâtard. En plus, c'est trop de life. Deuxième tentative. Voilà. Oh, attends, je me fais tout égard. Je te garde pour la fin, toi. Voilà, tape le mur, c'est bien. Chut. Oh, comment... C'est sa femme? Attends, je... Ah ouais, c'est ta femme? Tiens, regarde! Je l'encule, ta femme. Ah merde, la garde. Oh, mais tu vas mourir. Oh, le saignement, c'est triste. Elle est mortelle ou pas, du coup? Elle est blessée. Ah si, ouais, elle est morte. C'était sa femme, ça? Je sais pas si elle y ressemble. Brûle! J'ai dit brûle! Pour les péchés de ton mari.
sais pas si c'est bien là. Pourtant, je me suis acharné sur une innocente. C'est donc ainsi que meurt un rêve. J'aurais pu bâtir quelque chose d'éternel. Et Koopa aurait pu chanter les louanges de tes prouesses. Je regrette bien des choses. Nous œuvrons pour des forces supérieures. Nous sommes tous des jouets des dieux. Nul n'échappe. Je ne suis qu'un membre de l'Ordre des Anciens. Cette victoire ne t'offrira pas la paix. Ce n'est pas la paix que je cherche. Ce n'est pas pour mon âme que je mène ce combat. L'Ordre des Anciens m'honorera comme le porteur des eaux et le bâtisseur des villes. Où le désert reprendra sa place et dispersera le rêve de l'Étopolis comme du sable. Adieu. Oui, bien. Repose en paix. Ou pas d'ailleurs. Ah non, là-bas sa femme. Oh la pauvre. Soin de lui. Si tu peux, essaie de lui expliquer. Quelles horreurs as-tu fait entrer dans ma maison? Tu étais aveugle. Mais désormais, tu dois ouvrir les yeux. Ton mari était le scarabée. Il était coupable. Ils en savaient rien. Et il a torturé ton père. Et d'autres gens avant lui. Non! Tu dois désormais élever ton fils dans la lumière. Loin du sang. Des ombres répandues par ton mari. Pardonne-moi, mon fils. Dur. Le scarabée, mort. Bonne nouvelle, Leila. Le séquençage est terminé. Tu peux te synchroniser avec les mémoires d'Aya. Oh oh oh! Qu'est-ce que ça signifie? Elles sont assez fragmentées, mais tu devrais pouvoir t'y plonger un petit moment. Mon esprit ne te quittera pas. Et... d'accord. Répète un plan. Je veux savoir si on peut jouer Aya ou pas, moi. J'ai la curiosité qui devient folle, là. Mais je pense pas qu'on puisse la jouer, mais peut-être voir des cinématiques. Comme à la bataille de Salamine, capitaine. Je t'ai pris au piège. Voilà ce bon vieux Thémistocle. Et la partie est gagnée. Kamoto, Phoxidas, pourquoi doit-on livrer tous ces trésors? On pourrait aller vivre la belle vie à Lesbos avec tout cet or. Que veux-tu, rat du désert? Si ce coffre ne parvient pas à pomper ce navire non plus. S'il le faut, nous ramperons devant Hadès pour le livrer. Très bien. Au travail, bande de Vlakos. Damastès,
Mon fidèle porteur de bouclier, active-toi! On nous a engagés pour soudoyer Pompée, pour sauver une reine et gagner un royaume. Rien d'inhabituel pour des mercenaires. On est en train de conduire un bateau là. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour la soutenir. Merci aussi aux tipeurs et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao.